Bonjour à toutes et à tous. On a eu très peur tout à l'heure, on a l'impression qu'il n'y avait pas grand monde et puis vous êtes arrivés d'un seul coup, ça fait chaud au cœur de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux. J'ai un salut pour nos adhérents de province qui en ce moment suivent en direct cette réunion publique. Ils sont loin de nous, mais ils sont près de nous par le cœur. Et je les remercie de se mobiliser comme ils le font depuis si longtemps. Nous avons atteint cette semaine les 60 000 adhérents, plus de 12 000 adhérents. Plus de 12 000 adhérents en une année, c'est du jamais vu dans l'histoire de notre association. Et je voulais vraiment tous vous remercier pour cette mobilisation. Avant de commencer cette réunion publique qui va être ouverte par Catherine Baratti-Elbaz, la maire du 12e, que je salue avec amitié, nous avons vécu ces dernières semaines des événements dramatiques et l'ADMD ne pouvait pas oublier ces événements, d'autant qu'en plus nous ne sommes pas très loin d'événements dramatiques qui ont eu lieu, puisque nous ne sommes pas loin de la porte de Vincennes, de l'hypercachère. Et donc je voulais en introduction dire quelques mots d'hommage. Je suis Charlie parce qu'aujourd'hui, comme le 11 janvier à République, comme le 9 janvier à l'hypercachère, comme le 8 janvier à Montrouge, comme le 7 janvier au siège de Charlie Hebdo, j'ai été meurtri, blessé. Je suis Charlie parce que je crois en cette France des libertés et du respect des différences. Je suis Charlie parce que je crois à l'égalité des femmes et des hommes, au-delà de la couleur de leur peau, de leur façon de prier ou de ne pas prier, de leur façon d'aimer. Je suis Charlie parce que je crois à la fraternité entre ceux qui peuplent notre terre. Nous sommes Charlie, l'ADMD est Charlie, et je vous demande de vous lever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Eh bien, je vais accueillir, et je voulais dire que n'oublions pas que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité est une association qui est inscrite dans le combat aussi de la laïcité, et c'est important aussi de ne pas l'oublier.